Amen. Je me présente, je m'appelle Tony Sperandeo. Je suis né dans le Chitiland. J'ai vécu pendant 18 ans à Lille. Et ensuite, en voyageant en Europe, je suis arrivé à Amsterdam, Hollande. Et là, j'ai reçu le Seigneur. J'étais un panthéiste, c'est-à-dire je croyais que toutes les religions menaient en fait au Créateur. Et là, j'ai rencontré un groupe de jeunesse en mission qui m'ont donné le Nouveau Testament. Quand j'ai reçu ce Nouveau Testament de la part de ces jeunes, j'avais 21 ans, ils avaient à peu près mon âge, et c'était comme un feu qui était dans ma main, et moi, dans mon orgueil spirituel, j'ai dit je vais vraiment étudier ce bouquin, et je vais leur montrer qu'ils sont dans un chemin qui est trop étroit pour eux. Et en voulant prouver, j'ai rencontré mon Sauveur. Je suis tombé amoureux de Yeshua. Et je me suis dit, c'est mon gourou, c'est mon maître, c'est celui que je veux suivre. Ses paroles, ses actions, la vérité que je cherchais depuis tout jeune, le Seigneur m'a rencontré. Et je me suis rendu compte que je ne pouvais plus être panthéiste, parce que si je croyais dans ce que Yeshua disait, Jésus disait, comme il a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. Je dis, je ne peux pas être un panthéiste, si je l'accepte. Et puis je me suis rendu compte aussi que même si je le rejette, je ne peux plus être un panthéiste non plus, parce que je rejetterai la plus grande figure et personnage de la spiritualité. Donc c'était pas logique d'être panthéiste, et tout d'un coup tout s'est écroulé, je me suis retrouvé plus rien, parce que c'était mon identité entre l'âge de 16 ans et 21 ans. Chercher la vérité, je croyais que j'avais trouvé, mais là le Seigneur m'a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, je suis celui que tu as cherché sans savoir qui j'étais, mais maintenant je me révèle à toi. J'étais tout seul dans ma chambre, le Seigneur m'a baptisé du Saint-Esprit, j'étais rempli de son amour, pleurer, rire, être transformé. Et puis tout de suite, j'ai été voir ce groupe de jeunesse en mission, et j'ai frappé à leur porte, j'ai dit, voilà, je suis croyant comme vous maintenant. Ils ne savaient pas quoi faire avec moi, ils m'ont dit, écoute, on a un lit là, si tu veux venir. J'avais un très bon travail, j'avais une très bonne situation. Et puis voilà, je suis rentré, et puis j'ai commencé à partager ma vie. Pendant un an, j'étais avec eux sur l'Arche qui est devenue jeunesse en mission, c'était juste au commencement. Et puis c'est là où j'ai rencontré ma femme, c'est là où le Seigneur nous a appelés à venir nous installer en Israël pour annoncer la bonne nouvelle aux brebis perdues de la maison d'Israël. Je suis pasteur d'une communauté messianique, ce sont des juifs croyants en Yeshua, en Jésus. Il y a 30 ans, nous étions 300 en Israël, 300 juifs croyants en Jésus. Aujourd'hui, nous sommes 30 000. Et 30 000, ça veut dire, alléluia, gloire au Seigneur, c'est vrai, gloire au Seigneur, parce que c'est seulement le Seigneur qui peut sauver une personne d'origine juive. Vous savez, ce n'est pas politiquement correct ou spirituellement correct d'être croyant en Yeshua en Israël. Mais, comme il est dit dans la parole de Dieu, Romains chapitre 11, verset 25, « Je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, qu'il y a un voile d'endurcissement qui est mis sur le peuple d'Israël. Ce voile sera retiré quand la plénitude des nations arrivera, et ensuite tout Israël sera sauvé. Klal Israël, qui veut dire une grande majorité du peuple d'Israël, entrera dans le salut. C'est la promesse que Dieu a donnée dans sa parole par l'épître de Paul aux Romains, chapitre 11, verset 26. Donc nous savons qu'il y a un futur glorieux pour Israël. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est pas la réalité. C'est seulement le commencement de quelque chose que Dieu a fait. Beaucoup de personnes disent « Dieu a terminé avec Israël ». J'ai étudié dans une école biblique, je ne vous dirai même pas le nom, des professeurs très très connus, et qui ont dit « Eh bien voilà, Dieu a utilisé Israël pour nous donner la Bible, il a utilisé Israël pour nous donner le Sauveur, Jésus, et puis maintenant, comme les Juifs ne l'ont pas reçu, eh bien il a mis Israël à la poubelle et l'a trouvé un nouveau peuple qui s'appelle l'Église. » Est-ce que vous avez entendu parler de cette théologie? Ça s'appelle la théologie de substitution ou de remplacement, qui est une fausse théologie qui a été créée par les pères de l'Église, qui étaient des Grecs, philosophes, du platonicisme. On en parlera un petit peu, parce que c'est ça que je veux vous parler, que votre foi n'est pas une foi qui a seulement 2000 ans d'histoire,
Mais c'est une foi qui est ancrée dans la Genèse au chapitre 1, verset 1. Nous avons la foi la plus ancienne sur la terre. Donc on n'a pas besoin de se faire de complexe par rapport aux autres religions, par rapport aux autres philosophies. Alors je vais essayer de voir si on peut mettre le PowerPoint. Je vais me rapprocher un petit peu, dangereusement ici, parce que je voudrais regarder quand même ce qu'on a. Et le message que je voudrais donner, c'est le retour du roi de gloire pour un nouveau Moyen-Orient. Est-ce qu'on peut dire nouveau ou nouvelle Moyen-Orient? Nouveau, voilà. Excusez-moi, j'ai oublié mon français de temps en temps. Et voilà, donc on va commencer. On va commencer avec un mariage. C'est le mariage de ma fille aînée, et qui s'appelle Dana, et c'est le mariage traditionnel, typique, juif, c'est sous le talit. Et donc il y a le marié avec la mariée, et la dernière chose que le marié fait après être échangé les bagues et boire la coupe ensemble, eh bien le mari va prendre un verre et il va écraser ce verre avec son talon. Vous l'avez vu dans les films à Hollywood, non? Vous avez déjà été invité dans les mariages juifs, hein, c'est traditionnel. Et il déclare les paroles de ce verset, psaume 137, versets 5 à 6. Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie et se dessèche, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne mets, je ne me souviens pas de toi et je ne mets pas Jérusalem au-dessus de toutes mes joies. Alors on sait qu'un mariage, c'est un des plus beaux jours de sa vie. Et ici, il y a ce souvenir. De se souvenir de Jérusalem et mettre Jérusalem au-dessus de toutes nos joies personnelles. Alors bien sûr, c'est écrit pour le peuple de Dieu, c'est écrit d'abord pour les Juifs, mais aussi pour chaque chrétien né de nouveau, qui prend la parole de Dieu au sérieux. C'est écrit ce qu'on appelle au tzivoui, c'est-à-dire impératif. Et donc il y a quelque chose ici, si je t'oublie Jérusalem, que ma droite m'oublie, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est la droite? Nous savons que la droite parle de l'autorité de Dieu. Yeshua, Jésus, est assis à la droite du Père. Et ici, il y a un défi, que si nous oublions Jérusalem, on va en parler, qu'est-ce que ça veut dire oublier de Jérusalem? Eh bien, quelque chose va se passer en nous, c'est-à-dire notre droite va se dessécher, va perdre sa vigueur et sa force. Alors, je ne parle pas de l'autorité de l'Église dans l'Église, mais je vous soumets que ça parle de l'autorité de l'Église dans le monde. Il y a quelques centaines d'années, même moins, les chrétiens engagés avaient compris la réalité d'Israël. Maintenant, de génération en génération, cette réalité est en train de disparaître. Et je vois le parallèle entre cette réalité d'Israël qui est en train de disparaître dans le corps du Christ avec l'autorité de l'Église dans le monde. Maintenant, l'Église devient quelque chose qui est comme un ghetto, qui a perdu son autorité dans la société. Et je crois qu'il y a une clé ici pour nous. Il y a une clé quand on parle de revenir et de prendre position et de s'engager dans la société pour pouvoir changer notre société, pour apporter la justice sociale et la justice spirituelle et morale. Il y a un besoin de revenir à nos racines. La racine, c'est la chose la plus importante dans un arbre. Les fondations, les fondements d'une maison sont les choses les plus importantes. Et aujourd'hui, je veux parler de ces fondements, de ces fondations. Si nous oublions Jérusalem, nos racines spirituelles, tout a commencé à Jérusalem et tout se terminera à Jérusalem. Jérusalem est l'endroit le plus important dans le monde. Jérusalem, c'est l'endroit où notre Seigneur est mort sur la croix pour nos péchés. C'est une vraie ville. Il est ressuscité le troisième jour. Et c'est la place, l'endroit où il reviendra. De la même façon où il est monté au ciel, sur le mont des Oliviers, eh bien, il redescendra. Donc, nous savons que Jérusalem est une place très importante.
La deuxième chose qui va se passer, si nous oublions Jérusalem, nos racines, les racines de notre foi, eh bien, il y a aussi la langue qui se colle au palais. Et moi, je suis souvent étonné du nombre de croyants en Jésus, de disciples de Yeshua, qui ont du mal à expliquer l'évangile à leur famille, à leurs amis. Et on voudrait tellement communiquer avec eux notre foi et on n'arrive pas. On n'arrive pas à porter ce message parce que ce message, il a été dilué. Il a tellement été dilué qu'il a perdu sa force, qu'il a perdu son autorité. Et je veux vous soumettre encore une fois que si nous revenons aux racines, de comprendre le plan divin du commencement de la parole de Dieu, alors nous allons recevoir une nouvelle vigueur. Il va y avoir la sève qui est dans les racines, qui va revenir et la langue va se dénouer et nous allons pouvoir apporter le message de l'évangile d'une façon claire avec l'autorité et puissance. Donc il y a cette relation avec Israël entre l'autorité que nous avons dans le monde et aussi avec la puissance de l'évangile. Je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance pour quiconque croit, pour le juif premièrement, mais aussi pour les nations. Et nous sommes appelés à être ses témoins. Être ses témoins. Quand Yeshua nous a dit, je vous ai donné, maintenant attendez la promesse du Père, quand l'Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, Judée, Samarie, j'habite juste à côté de la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous sommes appelés à être des témoins. C'est très simple, qu'est-ce que c'est un témoin ? Un témoin, c'est quelqu'un qui a vu quelque chose, qui a entendu quelque chose et qui n'a pas peur de raconter ce qu'il a vu. S'il y avait un accident ou un crime ou quelque chose qui se passait, eh bien la police viendrait et la première chose qu'il ferait, c'est chercher des témoins. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu quelque chose, entendu quelque chose ? Nous avons vu et entendu ce que Dieu a fait dans nos vies, autour de nous. Et nous avons besoin d'un courage pour pouvoir expliquer. Nous avons reçu, maintenant nous avons besoin de faire passer ce message. Et c'est pour ça que le Seigneur nous a dit, vous allez recevoir une puissance, cette puissance qui nous donne du courage, l'Esprit de Dieu qui est sur nous. Et donc aujourd'hui, je vais vous donner déjà un défi en commençant, c'est qu'on va demander au Seigneur de nous libérer de la crainte de l'homme, du « qu'en dira-t-on », de la peur d'être exposé pour qui nous sommes vraiment. Parce que nous, si nous sommes morts en Christ, eh bien nous allons vivre avec lui. Donc Dieu veut nous délivrer de cette peur de l'homme, de la crainte de l'homme, afin que la crainte de l'Éternel soit sur nous et que nous soyons des témoins fidèles qui puissent expliquer ce que nous avons reçu, qui puissent communiquer d'une façon claire et nette par la puissance du Saint-Esprit. Alors, voilà, on va commencer. Regardez, c'est l'histoire de quatre personnes qui travaillent dans le bâtiment et ils sont tous en train de mélanger du ciment. Alors, on demande au premier, « Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous faites là ? Vous voyez pas ? Je suis en train de mélanger du ciment. » Bon, très bien, monsieur. Ok, excusez-moi, je vous ai dérangé. Demande à la deuxième personne. Bonjour, monsieur, qu'est-ce que vous faites ? Vous voyez pas ? Je suis en train de construire un mur. Ah, on va voir la troisième personne. Bonjour, monsieur, qu'est-ce que vous faites ? Vous voyez pas ? Regardez, je vais vous montrer. Je suis en train de construire une maison. Waouh ! La quatrième personne. Qu'est-ce que vous faites là ? Regardez, venez, je vais vous montrer. Je suis en train de construire une ville. Ils font exactement la même chose. Attitude, c'est une question d'altitude. Notre attitude est une question d'altitude. Et le Seigneur nous dit, viens plus haut, viens t'asseoir avec moi dans les cieux. Tu as besoin d'une vision beaucoup plus large. Souvent, nous sommes dans l'étroitesse de ce que nous faisons jour après jour. Ah oui, moi je fais ça, moi je fais ça. Il faut comprendre que nous sommes en train de construire le royaume de Dieu. Et Dieu veut nous encourager à élargir notre vision et de comprendre en fait ce qui nous motive. Comme je vous l'avais dit, notre foi est la foi la plus ancienne
En fait, dans la Genèse chapitre 1, verset 1, nous avons déjà tout le plan de salut. Au commencement, Dieu. Nous croyons dans un Dieu qui est et qui reste et qui sera avant qu'il ait créé quoi que ce soit. Personne ne peut dépasser cette foi. Nous croyons en un Dieu de toute éternité qui ne change jamais. Notre Dieu ne change jamais. Alléluia. Dans ce monde qui change, il y a quelqu'un qui ne change pas. Et nous sommes créés à son image. Et Dieu, au commencement, créa les cieux et la terre. Je voudrais que vous concentriez sur ce petit mot « et ». Ça ne montre pas là. Les cieux et la terre. Dieu a créé les cieux et la terre. Question, qu'est-ce que Dieu préfère? Est-ce qu'il préfère les cieux ou est-ce qu'il préfère la terre? Est-ce que nous sommes dans un pays démocratique? Est-ce qu'on peut faire un vote? Ok, qui pense que Dieu préfère les cieux? Levez la main. Qui pense que Dieu préfère la terre? Très bien, vous êtes courageux, très bien. Maintenant, est-ce que je peux demander, est-ce qu'il y a des personnes ici qui ont au moins deux enfants? Quels enfants préférez-vous? Quel enfant préférez-vous? Dieu a créé les cieux et la terre. Est-ce qu'il préfère les cieux à la terre? Non. Il aime la terre comme il aime les cieux. Il aime les cieux comme il aime la terre. Et quel est le plan de Dieu toujours? C'est de réunir ensemble ce qu'il a créé. Nous avons la réponse dans le livre des Éphésiens, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes les choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Le plan de Dieu, c'est de ramener le ciel sur terre et de ramener la terre dans le ciel. C'est pour ça qu'il a envoyé Yeshua, le Fils de Dieu, qui s'est fait homme et qui est venu sur terre. C'est pour ça qu'il nous a donné le Saint-Esprit, afin de pouvoir nous communiquer avec le ciel. Et pour moi, il n'y a pas de signe meilleur que le drapeau d'Israël. Le drapeau d'Israël, c'est la façon dont nous apportons l'Évangile en Israël. Et je vais demander à deux volontaires, est-ce qu'il y a deux volontaires courageux ici qui sont prêts à venir et à regarder et à se tenir? Voilà, je vais vous expliquer comment on apporte l'Évangile en Israël. C'est la Genèse, le drapeau d'Israël, c'est la Genèse, chapitre 1, verset 1. Au commencement étaient les cieux et la terre. Vous voyez ces deux bandes bleues, les cieux et la terre. La terre, c'est la bande en bas. Et les cieux, c'est la bande en haut. Alors, leçon d'hébreu. J'ai ramené avec moi un petit livre, un manuel avec un DVD pour apprendre l'hébreu. Pour ceux qui sont intéressés, celle sur la table, là, vous pouvez la voir. Mais en attendant, vous allez avoir la première leçon gratuite. En bas, la terre est bleue. Pourquoi est-ce qu'elle est bleue? Qu'est-ce qu'un peut me dire pourquoi la terre est bleue? Parce qu'au commencement de la création, verset 2, vous vous souvenez? Les eaux recouvraient toute la terre. C'est la Genèse, d'accord? En hébreu, les eaux, c'est maïm. Est-ce que vous pouvez répéter après moi? Maïm, maïm, voilà les maïm. Le ciel, en hébreu, c'est shamaïm. Shamaïm, maïm and shamaïm, c'est-à-dire là-haut de l'eau. Tiens, c'est bizarre, il y a de l'eau dans le ciel? Il y en avait jusqu'à Noé, il y en avait jusqu'au déluge, quand les eaux se sont ouvertes, il y avait de l'eau qui était tout autour de la terre, ça faisait une sorte de comment on appelle ça, de serre, de cocon, hein, voilà. Et donc ici, c'est la Genèse, c'est le livre de la Genèse, c'est la création du ciel et de la terre. Et au milieu,
il y a cette très belle étoile, une étoile à six branches qui s'appelle Magen David, c'est-à-dire un bouclier de David. C'était sûrement l'insigne qu'il y avait sur les boucliers de David et de Salomon. Et cette étoile à six branches est faite avec deux triangles. Est-ce que vous voyez bien les deux triangles ici? Il y a un triangle qui est la base qui est en haut, qui descend, et un autre triangle qui est la base qui est en bas et qui monte. La base du triangle qui est en bas, ce triangle qui est en bas, eh bien, c'est vous. Est-ce qu'on vous a déjà appelé triangle? Non? Vous êtes un triangle, parce que vous êtes créé en trois dimensions. Trois, c'est le nombre de Dieu. Vous avez un corps, vous avez une personnalité, Dieu vous a créé à son image, vous pouvez penser, vous pouvez ressentir, vous pouvez choisir, c'est la personnalité, c'est ce qu'on appelle le nefesh, c'est-à-dire l'âme. Et ensuite, nous avons ce qui nous fait différents des animaux, nous avons un esprit qui peut communiquer avec le Créateur. Vous voyez ce triangle? Et ce triangle, eh bien, il s'élève vers le ciel à travers notre esprit. Ensuite, nous avons ce deuxième triangle, qui est la base en haut, qui descend, c'est notre Dieu. Notre Dieu est un Dieu parfait, il est un Dieu différent des autres religions parce qu'il est complet. Il est complet, c'est-à-dire qu'il est amour. C'est-à-dire que pour être amour, il faut qu'il y ait une relation en lui-même. Dieu ne nous a pas créés par besoin. Il ne s'est pas dit une fois, « Oh, je me sens tellement seul dans cet univers que je vais créer l'homme, comme ça je peux avoir un vis-à-vis. » Non, il avait déjà en lui la relation. On parle du Père, du Créateur, de l'Esprit qui était au commencement de la création et de la parole de Dieu qui s'est faite chair et qui est venue habiter au milieu de nous. C'est très intéressant parce que dans la parole de Jean, chapitre 1, verset 14, au verset 1, il est dit « Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. » Et verset 14, « Et la parole est venue habiter parmi nous. » Et vous savez, ceux qui ont fait du grec, c'est le mot tabernacle. Tabernacle, c'est-à-dire habiter d'une façon, comment on dit, très personnelle, très intime, très bien, très intime, d'une façon très intime. Et ici est exposé le plan de Dieu. Dieu veut habiter dans nos cœurs. C'est son désir, c'est son plan, c'est le plan A. Et ce plan A n'a pas changé depuis la Genèse jusqu'à aujourd'hui. C'est le plan de Dieu, c'est de vouloir faire sa maison dans ton cœur. Dieu veut faire sa maison dans ton cœur. Il dit, je frappe à la porte de ton cœur, si tu ouvres, je viendrai et je souperai avec toi. C'est le plan de Dieu, c'est la façon dont nous apportons l'évangile en Israël. Est-ce qu'on peut applaudir nos deux témoins là? Ils font un travail super, merci beaucoup. Nous allons continuer parce que c'était juste le commencement. Je vais vous présenter Israël. Israël, c'est un tout petit pays. Quelqu'un est déjà venu en Israël? Voilà, bon. Alors, du nord au sud, c'est 6 heures de voiture, du nord au sud. Du Liban jusqu'en Égypte, c'est 6 heures de voiture. Vous pouvez même vous arrêter pour boire du café. De la Méditerranée jusqu'à la rivière du Jourdain, c'est 1 heure, 70 km. 6 heures, 1 heure. C'est plus petit que la Suisse. Et c'est quoi Israël? Israël, c'est une route pour un message. Une route pour un message. Israël se trouve eh bien, à la frontière de trois continents. Vous avez en bas, vous avez l'Afrique, c'est ce qu'on appelle l'Égypte. En haut, vous avez la Turquie, puis l'Europe. Et à l'est, vous avez l'Asie. C'est un endroit qui était très peu peuplé. Il y avait des tribus cananéennes, les tribus de traders. C'était les gens qui faisaient la route de la soie, la route des encens, qui faisaient le commerce entre l'Égypte et les pays du croissant fertile, les Hittites au nord,
Et donc, c'est une route pour un message. Et pour comprendre pourquoi notre Seigneur s'est révélé en Israël, pourquoi il a parlé en Israël, eh bien, il faut revenir au commencement, et c'est le jardin de Éden. Je vous présente une carte du jardin de Éden. Cette carte est basée sur les versets que vous trouvez dans le chapitre 2, verset 10. Le jardin de Éden, souvent on pense, oh, c'était un tout petit jardin, il y avait un pommier, il y avait un châtaignier, c'était tout petit, quoi. Hein? Non, c'était beaucoup plus grand parce que c'était tout le Moyen-Orient. On voit les quatre rivières, le Pichon, où se trouvait le pays de Havila, se trouvait l'or, c'est en Arabie. C'est en Arabie, cette rivière a été desséchée, bien sûr, maintenant, mais si vous retrouvez, il y a, pour ceux qui font de la géologie, il reste encore eh bien, l'ancien lit de cette rivière. Le deuxième, c'est le Guion, et le Guion, c'était le Nil, et le Nil qui a déplacé, qui était maintenant dans la mer Rouge, et vous voyez que c'est l'Égypte, et comme il est dit aussi, le Guion, celui qui entoure tout le pays de Kouch. Le pays de Kouch, c'est le Soudan et c'est l'Éthiopie. Et puis ensuite, on a le Hidekel, le Tigris, c'est celui qui coule à l'Orient, à l'est de la Syrie, c'est l'Irak. Et ensuite, le Frate, vous connaissez, c'est la rivière qui délimite avec la Syrie et l'Irak. Donc si on revient à la carte, le Moyen-Orient, tout le Moyen-Orient, de l'Égypte jusqu'à l'Irak, était le jardin de Éden. Quand je vous parle du Moyen-Orient, qu'est-ce que ça vous donne? À quoi vous pensez, le Moyen-Orient? À quoi vous pensez? La guerre, terrorisme, l'islam, le pétrole, ouais. Le désert. Je voudrais que vous voyiez avec des nouveaux yeux aujourd'hui ce que je vais vous présenter. Dieu n'a pas terminé avec le Moyen-Orient. Dieu, il est en train de racheter ce Moyen-Orient comme il est en train de racheter l'âme de chacune des personnes qui habitent au Moyen-Orient et en dehors du Moyen-Orient. Le plan de Dieu prend plus de temps. Nous avons besoin d'être patients. Mais Dieu n'a pas changé de plan. Il est toujours au plan A. Le plan A, c'est toujours de racheter ce qui a été perdu. Et ici, dans ce Moyen-Orient, la prochaine fois que vous entendrez parler du Moyen-Orient, je voudrais que vous puissiez dire « Merci Seigneur, parce que tu es en train de changer ce Moyen-Orient. » Vous savez, est-ce que vous connaissez la mer morte, l'histoire de la mer morte? La mer morte, c'est l'endroit le plus profond sur Terre, moins 400 mètres du niveau de la mer. Et tous les ans, nous perdons un mètre de cette eau, parce qu'il fait très très chaud et l'eau se dessèche, ça devient un marais salant. Pour ceux qui ont essayé de se noyer dans la mer morte, vous n'avez pas réussi, hein? Non. Et les experts, les professionnels nous disent en 2030, il n'y aura plus d'eau. En 2030, il n'y aura plus la mer morte. Et comme vous voyez sur les cartes, où il y a 20 ou 30 ans, où il y avait une seule mer, maintenant c'est déjà deux morceaux, déjà sur les cartes. Les experts nous disent en 2030, il n'y aura plus de mer. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit ? Dans les prophètes, que En-Gedi, qui se trouve sur la mer morte, deviendra un village de pêcheurs où ils mettront leurs filets. Est-ce que vous avez vu des pêcheurs qui mettent leurs filets quand il n'y a pas de poisson, quand il n'y a pas de vie? Qu'est-ce que ça veut dire? Que ce que nous voyons avec nos yeux aujourd'hui n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. Dieu va ressusciter la mer morte. Il va y faire couler l'eau vive, les poissons.
parce que c'est son plan. Il va ressusciter tout ce qui est mort. Il va faire refleurir le désert. Je veux vous faire souvenir qu'il est le Dieu de création, celui qui a créé le ciel et la terre. Il aime la terre comme il aime le ciel. Et dans chaque rédemption, dans chaque changement que Dieu fait, il commence par le naturel. 1 Corinthiens chapitre 15, le naturel d'abord, puis le spirituel. Dieu a un plan. Il va changer. Il va transformer cette terre. Mais cette terre va commencer par le naturel. Nous qui avons été influencés par la théologie de remplacement, par la philosophie platonienne qui dit simplement l'idéal, c'est la seule chose qui compte, parce que tout ce qui est terrestre n'est pas final. Nous avons délaissé notre planète et nous avons arrêté de nous occuper des choses sur cette terre que Dieu a un intérêt très fort pour nous montrer. Et l'exemple que nous voyons ici dans ce Moyen-Orient, eh bien, c'est comment le Seigneur a racheté ce Moyen-Orient et comment il a commencé. Alors, on voit ici l'histoire de Adam qui a été chassé à l'est du jardin de Éden, et les chérubins, ce sont des anges. Vous savez, on est très confus par le mot chérubin parce que c'est à cause des Italiens, ça c'est à Florence. C'est Raphaël qui peignait les petits chérubins tellement mignons. Les chérubins n'étaient pas mignons, croyez-moi. Vous savez que même Satan, Lucifer, il était un chérubin. Ok, c'était des monstres, hein, c'était des super anges, hein, et c'est eux qui gardaient, en fait, très puissants. Et il y avait ces chérubins avec une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Ils se trouvaient de quel côté du jardin de Éden ? À l'est, très important, à l'est. On va revenir sur la carte. C'est où l'est ? C'est sur la droite, c'est l'Irak. Ok, on y reviendra. Les chérubins étaient les seules statues que Dieu a permis de construire dans l'endroit le plus saint, dans le tabernacle, le saint des saints. Comment s'appelle ce meuble ? L'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance où la Shekhina, où la gloire de Dieu se révélait par cette nuée de feu, cette nuée qui venait entre les chérubins. Dieu a commandé, a ordonné d'avoir la statue de ces gardiens qui gardaient la porte du jardin de Éden dans le Saint des Saints. Pourquoi ? Personne ne venait dans le Saint des Saints, seulement une fois par an. Le grand prêtre sacrificateur qui portait le sang de tout le peuple d'Israël, la seule fois, c'est le Yom Kippour. C'est mardi soir, ça commence en Israël, tous les ans. Mais Yom Kippour, le grand prêtre, venait avec le sang du sacrifice et il aspergeait ses anges. Il aspergeait avec le sang du sacrifice. Tous les ans. C'est un signe prophétique. Un jour, le Sauveur viendra et il nous ramènera dans le jardin de Éden. Qu'est-ce qui se passe dans le jardin de Éden ? Le jardin de Éden, c'est la vie éternelle. D'abord le naturel, puis le spirituel. D'abord le signe, le symbole, l'ombre des choses qui est en Jésus, le Messie. Aujourd'hui, nous fêtons les fêtes de l'Éternel. Nous avons fini de fêter la fête des trompettes. La fête des trompettes, c'est la fête, eh bien, de l'enlèvement. À la dernière trompette, notre Seigneur viendra
et nous le rencontrerons dans les airs. Dans le calendrier juif, il est parlé de ce moment, de la fin des temps, où eh bien, notre Seigneur nous enlèvera et nous allons le rencontrer. Ça nous a été volé. Elle est où cette fête dans l'Église? Elle a été perdue. Une fois par an, ce souvenir que nous attendons notre Seigneur, on a besoin de revenir aux racines de notre foi qui nous ont été volées. Les fêtes dans l'Éternel ne sont pas seulement des fêtes juives, mais ce sont des fêtes pour tous les croyants en Yeshua. Nous avons besoin de nous les accaparer de retour. Il y a d'autres fêtes comme ça et on en parlera peut-être demain. Mais regardez ici, le Seigneur nous montre que chaque année, on attend la venue de notre Seigneur qui entrera dans le Saint des Saints. Notre Seigneur qui est le sacrificateur, mais qui est aussi le sacrifice. Regardez ici, tout commence avec un homme qui s'appelle Abraham. Il s'appelait avant Avram. Avram qui veut dire un père élevé. Il est devenu Abraham qui veut dire un père de beaucoup de nations. Et Abraham, il est appelé de Ur en Chaldée. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Regardez, je vous montre la carte. Regardez cette ligne jaune qui monte vers le nord et qui descend jusqu'en Égypte. Regardez la ligne rouge. C'est le même chemin que Abraham a fait. Abraham, il suit le Seigneur. Le Seigneur lui dit au chapitre 12, « Sors de ta zone de confort, sors de chez ton père, sors de ce pays vers un pays que je te montrerai. » Il n'y avait pas de GPS à l'époque, il n'y avait pas de guide qui l'attendait, il n'y avait pas de bédouin avec des chameaux qui l'emmenaient. Il suivait le Saint-Esprit et le Seigneur l'emmène dans chaque place où il s'arrête. Il crée un autel à l'Éternel et il offre un sacrifice à l'Éternel. Le premier endroit où il, dans le pays de Canaan s'appelle Elon Mamré. C'est entre le mont des bénédictions et des malédictions. C'est en Samarie. Et si vous venez, je suis très content de vous emmener là-bas. C'est dans Genèse 17. Et nous voyons qu'Abraham, il suit le Seigneur. Et Dieu l'amène à Jérusalem. La première fois où il est parlé de Jérusalem dans la Bible, c'est dans le chapitre 14. La première fois où il est parlé du pain et du vin. Ça vous dit quelque chose, le pain et le vin? Vous savez, notre Seigneur n'a jamais créé quoi que ce soit. Il a simplement accompli toutes les prophéties qui étaient déjà communiquées. Notre Seigneur a simplement accompli les prophéties qui parlaient de lui. Mais la première fois où il est parlé du pain et du vin, c'est ce roi qui s'appelle Melchizedek, qui veut dire en hébreu « mon roi de justice ». C'est un beau nom. « Mon roi de justice qui rencontre Abraham, qui lui offre le pain et le vin et qui prie cette prière, c'est une très belle prière, et qui dit « Béni Abraham » et dit « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, celui qui a racheté les cieux et la terre ». C'est la traduction, la vraie traduction en hébreu, c'est « Kone Shamaim Ve'aretz », c'est pour ça que je l'ai mis. Si vous pouvez voir, c'est un peu changé dans la Bible. Les traductions sont ce qu'on appelle des trahisons, donc il faut avoir au moins trois différentes traductions avec vous pour pouvoir comprendre le sens, au moins trois. Okay? Sinon, vous apprenez l'hébreu, j'ai ramené les trucs, d'accord? Bon, c'était la pub. Racheter le ciel et la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Abraham, en prenant le pain et le vin, il fait une alliance avec Melchizedek qui est roi de Jérusalem, de Salem, Jérusalem, et qui est prêtre. Dans le livre de Hébreux, il n'a pas de généalogie, il n'a pas de commencement. C'est un type qui représente le Seigneur, notre Seigneur. Donc il reçoit l'autorité spirituelle pour racheter le ciel et la terre, pour racheter en fait le jardin de Éden. Et donc après, il offre un sacrifice, vous vous souvenez, c'est le sacrifice où il ouvre les animaux et il entre les animaux. C'est
l'alliance qu'il fait avec le Seigneur, qui est toujours une alliance de sang. L'alliance avec le Seigneur est toujours une alliance de sang. Que ce soit le premier animal sacrifié dans le jardin de Éden pour couvrir Adam et Ève, que ce soit ce sacrifice avec Abraham, le sacrifice avec dans le temple, chaque alliance est une alliance de sang. Et donc ici nous voyons que ce Abraham, il est appelé maintenant à faire que ce désert redevienne fertile. Alors imaginez-vous, vous êtes parti en vacances très longtemps, trop longtemps, et votre jardin est devenu jaune. Quelle est la première chose que vous allez faire ? Arroser ! Quelle est la première chose que Abraham a fait ? Est-ce que vous vous souvenez, après le chapitre 14, il arrive à Beersheba, c'est le Negev, c'est le désert. Et là, où sont les enseignements d'Abraham ? Est-ce que vous vous souvenez des enseignements d'Abraham ? Est-ce qu'il y a les prédications d'Abraham dans la parole de Dieu ? Non. Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait des puits d'eau. Beersheba, qui veut dire le puits de l'Alliance, ou les sept puits, c'est le même mot. Il fait des puits. Qu'est-ce que son fils Isaac fait ? Des puits ! Et quel genre de femme il va chercher ? Une femme qui peut faire abreuver des chameaux. C'est tout au sujet de l'eau. Au sujet de commencer à faire que ce jardin de Éden devienne fertile. Aujourd'hui, depuis 100 ans déjà, les Juifs qui sont revenus dans leur pays, leur première pensée était de faire refleurir le désert. Vous venez en Israël ici, et vous allez voir que ce désert qui avait été abandonné pendant 400 ans, où les Ottomans avaient demandé une taxe sur les arbres. Si vous aviez un arbre dans votre jardin, vous deviez payer plus cher. C'était un désert. Aujourd'hui, c'est le seul endroit où les oiseaux, entre l'Europe et l'Afrique, s'arrêtent. Des millions d'oiseaux s'arrêtent en Israël, au printemps. Faire refleurir le désert. Mais ça, c'est le physique. D'abord le naturel, puis le spirituel. Et Dieu dit à Abraham, « Abraham, toute ta descendance, en ta descendance, en ta postérité, toutes les nations de la terre seront bénies. » Et donc la deuxième chose, la deuxième fois où Jérusalem est mentionnée, eh bien, c'est dans la Genèse 22. Abraham est déjà dans le désert, il a le fils de l'alliance qui s'appelle Isaac, et Dieu lui dit, je te mets dans le test maintenant, sur le test, je te demande d'offrir ton fils en sacrifice, mais ne l'offre pas dans ton jardin. Je veux que tu ailles dans un autre endroit, dans le pays de Morija. Nous sommes ici à Morija, non ? C'est ça ? Hein ? Dans le pays de Morija. C'est dans la Genèse chapitre 22. Et c'est 3 journées de marche. Il va avec un âne, avec des serviteurs. Et il dit à ses serviteurs, restez ici. Moi et le fils, et mon fils, nous allons adorer l'Éternel, nous reviendrons. Abraham, est-ce que tu as menti ? Tu sais très bien que tu dois tuer ton fils, que tu dois l'offrir en sacrifice sur le mont Morija. Quelle sorte de foi avait Abraham. Il savait que toutes les promesses étaient maintenant dans Isaac. Dieu lui a parlé de ta postérité, je bénirai toutes les nations. Il savait que même s'il devait tuer son fils, Dieu ressusciterait Isaac. Et sur le mont Morija,
Il est dans l'obéissance absolue de faire ce que Dieu lui demande et la main s'arrête. Et il y a un animal. Il y a le sacrifice à la place de Isaac. Et regardez ce verset ici, c'est le verset 14 de la Genèse 22 qui nous montre très clairement où notre Seigneur avait besoin de donner sa vie. Déjà dans le livre de la Genèse, l'évangile est déjà là. L'évangile est là. Regardez, Abraham donna à ce lieu, le mont Morija, qui est une colline de Jérusalem, le nom de Adonai Yireh, Yahweh Yireh, Dieu qui pourvoira. Parce que c'est ce qu'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, le mont Morija, il sera pourvu. Question, qui a écrit le livre de la Genèse? Qui a écrit le livre de la Genèse? Et qui a écrit, c'est ce qu'on dit aujourd'hui? Est-ce que Moïse a été à Jérusalem? Non, il a vu Jérusalem du mont Nebo, qui se trouve dans le Jourdain, en Jordanie. Dieu a déjà parlé prophétiquement à Moïse. C'est la montagne de l'Éternel, et il est dit dans le futur, regardez, il sera pourvu. Qu'est-ce qui sera pourvu? Le sacrifice pour pouvoir retourner dans le jardin de Éden, pour pouvoir recevoir la vie éternelle, et ce sacrifice sera fait où? Eh bien, sur le mont Morija, sur le mont Moria. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est Jean le Baptiste qui voit Jésus venir, il dit, la seule raison que notre Seigneur est venu sur terre, c'est parce qu'il est l'agneau de Dieu et il doit offrir sa vie, comme cet agneau sur le mont Morija. Que se passe-t-il sur le mont Morija? David décide d'en faire sa capitale, Jérusalem, et sur son cœur de créer, construire le premier temple. C'est Salomon qui le construira. Dieu dira à David, tu es un homme de sang, mais ton fils Salomon, qui veut dire Shlomo, ma paix, c'est lui qui construira. Jésus est crucifié à Golgotha. Golgotha, c'était l'endroit où les pierres de taille étaient coupées pour pouvoir construire le temple. Et c'est ce qui est dit dans le psaume 118, la pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la pierre de l'angle. Jésus meurt au pied du mont Morija, là où il a été prophétisé dans la Genèse. L'endroit, le mont Morija. Le temps, la Pâque. La Pâque où était offert pour chaque famille un agneau, afin que l'ange de la mort ne puisse pas passer. La vie éternelle, l'entrée dans le jardin de Éden. La première mention d'Israël maintenant, qui est très importante, parce que qu'est-ce que ça veut dire Israël? Jérusalem, c'est la capitale d'Israël, mais qu'est-ce que ça veut dire Israël? Eh bien, c'est Jacob, le petit-fils de Abraham. Il est sur le chemin de la réconciliation. Ça fait 20 ans qu'il a peur de rencontrer son frère. Une histoire d'héritage. Et là, il a envoyé les cadeaux, il a envoyé la famille, il est tout seul. Et dans la nuit, il rencontre un homme. C'est l'ange de la face de l'Éternel. Il appellera cette place Péniel, parce que j'ai vu la face de Dieu, je ne suis pas mort. Et cet ange de l'Éternel lui demande, quel est ton nom? Il dit, Jacob. Jacob, ça veut dire Ekev, tordu. C'est comme le pied qu'il avait pris quand il était tout petit de son frère. Ton nom ne sera plus Jacob. Tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu, avec les hommes, et tu as été vainqueur. Israël veut dire celui qui a lutté avec Dieu et avec les hommes et est sorti vainqueur. Israël est une place de conflit. Mes frères et mes sœurs, si vous êtes investis de prier pour Israël, de vous engager par rapport à Israël, sachez que vous entrez dans une guerre spirituelle, car l'ennemi a toujours voulu détruire Israël. Le
témoin de la fidélité de Dieu dans l'histoire. Et ici, c'est la première fois qu'il est parlé d'Israël, mais la dernière fois, où est-ce que ça parle d'Israël? C'est dans l'Apocalypse. Dieu dit à Jean, viens, je vais te montrer l'épouse de l'agneau. L'épouse de l'agneau, et j'ai vu la nouvelle Jérusalem qui descendait. Vous savez, le mot Jérusalem, en hébreu, c'est Yerushalayim. Quand vous avez « aim » à la fin, « Yerushalayim », ça veut dire « deux Jérusalem ». Il y a deux Jérusalem. Il y a la Jérusalem terrestre et la Jérusalem céleste. Dieu qui a créé le ciel et la terre va comme ce drapeau où les deux triangles vont se réunir, les deux Jérusalem vont se réunir. La Jérusalem céleste va descendre et vous faites partie de cette Jérusalem céleste. L'enlèvement, puis le mariage, puis la lune de miel à Jérusalem. On redescend, régner avec lui pour 1000 ans. Et nous voyons ici ce retour glorieux. Et sur les fondations, il y a le nom des apôtres du Seigneur. Et sur les portes de la Nouvelle Jérusalem, il y a le nom des 12 tribus d'Israël. On ne peut pas s'échapper d'Israël. Si vous mettrez votre doigt dans la Bible, Genèse 32, à Apocalypse 21, regardez, ça parle d'Israël. Ça parle que d'Israël. On ne peut pas s'échapper d'Israël. Pourquoi ? Parce que Israël, c'est le nom que Dieu, regardez, Dieu créateur du ciel et de la terre s'appelle le Dieu d'Israël. Il s'appelle le Dieu de Jacob. C'est le nombre de fois, 985 fois seulement dans l'Ancien Testament et plus de 50 fois dans le Nouveau. Plus de 1000 fois, Dieu créateur du ciel et de la terre s'appelle le Dieu d'Abraham, Isaac, de Jacob, le Dieu d'Israël. On ne peut pas s'échapper d'Israël. Et l'ennemi voudrait nous faire croire que Dieu a terminé avec Israël, alors que c'est seulement le commencement. C'est seulement le commencement de mon message, mais je vais l'arrêter bientôt. Vous inquiétez pas, on va continuer là. Israël, c'est un Dieu créateur, c'est un peuple, une terre, on en parlera demain. Et regardez, je vous invite maintenant à regarder en dehors des frontières, parce que Dieu ne veut pas seulement sauver Israël, mais il veut sauver ses voisins. Nous sommes au nord du Golan, c'est la Syrie. La guerre, une guerre civile avec la Syrie. Et on est en train de demander à cet observeur, il a une casquette bleue, c'est les Nations Unies. Qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, je suis en train d'observer le cessez-le-feu de 1974, c'est la dernière guerre avec la Syrie. Et puis, vous voyez que Damas est seulement à 60 kilomètres. Si vous venez dans cet endroit-là, qui se trouve juste à la frontière, vous allez entendre des bombes, vous allez entendre les missiles, vous allez voir les armées. Si vous avez étudié l'histoire de Gog et Magog, la guerre dernière qu'il y aura avec Israël, la liste des nations, la Russie, la Turquie, l'Iran, ils sont tous là, à la frontière. Ils sont tous à notre frontière. C'est le commencement de la fin. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça va être la destruction totale? Mais non, on gagne à la fin. C'est pour ça qu'il faut lire la Bible. Parce que regardez, Gog et Magog, oui, énormément de personnes vont être détruites et tuées. Énormément, des tragédies. Mais Dieu va en terminer avec l'islam. Le dernier ennemi, ce n'est pas l'islam. L'antéchrist, qui est-il? Je ne vais pas donner de nom, comme ça je ne serai pas un faux prophète. Mais simplement que nous avons besoin de nous préparer en sachant que Dieu est en train de racheter ce Moyen-Orient. Je vous montre, nous sommes dans l'intercession pour Ésaïe 19. Ça parle de l'Égypte, Dieu va sauver l'Égypte. L'Égypte va être un pays qui va devenir allié avec Israël. Et je vais aller très vite parce que je voudrais quand même faire un appel là bientôt. Regardez, ce jour-là, l'Éternel sera connu des Égyptiens, les Égyptiens connaîtront l'Éternel. Ils serviront avec des sacrifices et des offrandes,
Ils feront des vœux à l'Éternel et les accompliront. Et l'Éternel frappera les Égyptiens. Il les frappera, mais il les guérira. Ils se convertiront à lui. Il répondra à leurs prières et les guérira. Et en ce jour-là, il y aura une route entre l'Égypte et la Syrie. Pour passer entre l'Égypte et la Syrie, il faut passer par Israël. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Le nord et le sud. Il y aura cette route, on l'appelle, nous on l'appelle l'autoroute 19. Okay, c'est comme ça qu'on l'appelle. En ce jour-là, Israël sera troisième. Troisième, Shlishia, ça veut dire in covenant, une alliance de trois pays ensemble. L'Égypte, la Syrie et Israël, ensemble. C'est dans la parole de Dieu. Ces pays ne sont pas mentionnés dans la liste de Gog et Magog. Très important. Souvent, quand on regarde tout le Moyen-Orient, on met tout dans un même panier. Non, il y a deux paniers. Il y a les paniers des alliés d'Israël et les ennemis d'Israël. Il y aura des alliés d'Israël dans la fin des temps. En ce jour-là, Israël sera troisième avec l'Égypte et la Syrie à être une bénédiction pour toute la terre. Et l'Éternel, le maître de l'univers, les bénira en disant « Béni soit l'Égypte, mon peuple, la Syrie que j'ai créée de mes mains et Israël, mon héritage. » C'est ce que Dieu va faire au Moyen-Orient. C'est cette carte du Moyen-Orient, c'est le jardin de Éden où il y aura juifs et arabes. Les nations de ce jardin de Éden, les nations de ce Moyen-Orient qui vont venir à la fois. C'est pour ça qu'il nous faut prier pour Israël, mais pas seulement pour Israël, mais aussi pour les Syriens. Qu'est-ce que ça veut dire « Israël, mon peuple » l'Égypte, mon peuple » Dieu a une très grande mémoire. Il se souvient de toutes les actions de grâce qui ont été faites envers le peuple d'Israël. Chaque fois qu'il y avait de la famine, l'Égypte a été la protection pour le peuple d'Israël. Regardez notre Seigneur, les deux premières années de sa vie, il était en Égypte. L'Égypte, c'est le monde. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il va le sauver. Et l'Égypte se trouve dans les prophéties, à la fin des temps, où les Égyptiens vont venir à la fête des tabernacles, adorer l'Éternel. Nous savons que Dieu a un plan pour les Égyptiens comme il a un plan pour les Israéliens. Et c'est quoi maintenant l'Assyrie, l'œuvre de mes mains ? Qu'est-ce qui s'est passé en Assyrie ? Et quand on dit l'Assyrie, c'est la Syrie d'aujourd'hui et l'Irak. Syrie et Irak ensemble, la Syrie, c'était un grand royaume. Les plus cruels ennemis d'Israël, Dieu a envoyé un prophète israélien qui s'appelait Jonas. Et Jonas, lui, ne voulait pas annoncer l'évangile à ses ennemis. Il a essayé de partir à Hawaï. Ça n'a pas marché. Il s'est fait refouler sur la plage. Et les Assyriens se sont repentis à Ninive. Dieu a un plan pour la Syrie. L'œuvre de mes mains. Est-ce que vous vous souvenez quand les Assyriens sont venus et qu'ils ont pris les tribus, les huit tribus ennemies, les huit tribus et demie. Souvent on dit les dix tribus, c'est les huit tribus et demie. Il les a pris et mis dans cinq endroits différents. Vous vous souvenez ? Dans le pays des Mèdes. Les Mèdes étaient alliés des Perses. Les Mèdes, ce sont les Kurdes d'aujourd'hui. Si vous regardez dans l'ADN des Kurdes, vous allez voir Israël. L'œuvre de mes mains. Dieu a un plan pour sauver les Kurdes et il commence par l'Europe. Quand vous entendez parler des Kurdes, bénissez-les, aimez-les. Dieu va les sauver. Et ils vont être les plus grands alliés d'Israël. Le Kurdistan n'a jamais été un pays indépendant. Mais Dieu a un plan pour eux. Plus de 35 millions dans le monde séparés en quatre pays. Dieu a un plan. L'ennemi s'acharne à les détruire, comme il s'acharne à détruire Israël. Mais regardez, la parole de Dieu va se réaliser. Ça nous fait parler du livre de Daniel. Les quatre grands empires. Qu'est-ce qu'ils avaient en commun ? Regardez bien,
Ce sont les quatre cartes. Ce qu'ils avaient en commun, c'est qu'ils contrôlaient les deux plus grandes villes importantes, Jérusalem et Babylone. C'est une question du Moyen-Orient. Ici, les pays en conflit pour l'autorité, les Iraniens, les Turcs et même les Russes, sont ici parce que Dieu a un plan entre le plan de salut pour le Moyen-Orient et le plan de destruction de l'ennemi, de Satan. Nous ne pouvons pas être neutres. Si nous sommes engagés à servir notre Seigneur, nous devons être engagés dans la prière et dans l'intercession pour ces peuples. Ce n'est pas suffisant de recevoir cet enseignement et de dire, voilà, je rentre à la maison maintenant, je vais regarder les informations. Dieu nous veut sur nos genoux à prier pour le salut de ces peuples. Regardez cette pierre qui détruit, la pierre dans Daniel chapitre 2 verset 44. Cette pierre peut être activée par vous dans la prière et dans l'intercession. Nous sommes dans la fin des temps. Nous ne savons pas combien cette fin des temps va durer, seulement le Seigneur le sait. Mais aujourd'hui, il y a des enjeux très très forts dans le Moyen-Orient. Attention, manipulation. Ne mettez pas votre foi dans ces journalistes païens qui vous mentent. La désinformation, fake news comme on dit, c'est vrai. Je vous invite à venir en Israël et voir avec vos yeux. Demain, on va parler de la réconciliation entre les Juifs et les Palestiniens, les Israéliens et les Palestiniens, parce que nous travaillons avec des frères en Christ qui amènent l'évangile aux musulmans. Et je vais vous dire qu'il y a l'unité entre nous, qu'il y a l'amour et le service. En Christ, c'est possible d'être un. On va parler demain de ce ministère de réconciliation entre nous. Mais aujourd'hui, à cause de Sion, je ne me tairai pas. On va faire un appel ici, je vais appeler le groupe de louanges pour venir ici. Je vais demander que chacun d'entre nous puisse s'engager par rapport à Israël. Chacun d'entre nous puisse s'engager par rapport à l'Égypte, par rapport à la Syrie, par rapport à tous ces peuples qui ont besoin du salut, qui ont besoin de la prière, qui ont besoin de l'amour du Père. Nous avons reçu ce témoignage, nous avons reçu cet évangile. Qu'est-ce que nous faisons avec cet évangile ? Souvent, les personnes aiment polariser et prendre parti. Souvent, étant israélien, les gens me demandent, et alors, et ces pauvres Palestiniens, qu'est-ce que vous faites pour eux ? Ils ont besoin du salut, ils ont besoin de Yeshua. Si vous aimez Israël, vous priez pour les Palestiniens. Vous priez pour les Syriens, vous priez pour les Irakiens, vous priez pour les Libanais, pour les Égyptiens. Si vous aimez les peuples arabes, alors priez pour Israël. Il est dit à la fin des temps qu'il y aura cette alliance dans le Moyen-Orient. Dieu a seulement commencé son œuvre. Et vous pouvez faire partie de cette œuvre. Dieu a demandé à Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main ? C'est dans l'Exode au chapitre 4, il avait un bâton, c'était un berger. Il a dit, jette ton bâton. Un bâton, c'est quelque chose de naturel que nous avons. Chacun d'entre nous, nous avons des dons naturels. Et Dieu nous demande aujourd'hui, jette ton bâton, jette ce que tu as dans ta main. Dieu t'a béni avec des dons. Maintenant, c'est le moment de les mettre en activité. Quand tu vas les donner au Seigneur, le bâton s'est transformé en serpent. Et Dieu a utilisé le bâton de Moïse pour ouvrir la mer, pour faire sortir l'eau du rocher, pour élever ce bâton afin que la victoire soit donnée contre Amalek.
Dieu t'a donné des dons naturels. Il veut que tu les mettes à contribution pour le royaume de Dieu. Mais que tu reviennes à ses racines. Le centre du monde n'est pas la Suisse. Allô? Le centre du monde n'est pas Yverdon. Allô? Il faut revenir aux frontières du Moyen-Orient. Il faut revenir à Jérusalem. C'est là où notre Seigneur est mort. C'est là où il va revenir. C'est là où on a besoin que cette autorité puisse être restaurée. C'est là où on a besoin que cette langue se décolle et que nous puissions être des témoins, sans peur. C'est le moment maintenant de nous mettre à l'œuvre. Il fait encore jour, mais bientôt il va faire nuit. Personne ne pourra travailler. J'appelle ici les ouvriers dans la moisson. Il y a trop d'ouvriers qui sont assis à ne rien faire. On ne peut pas être chômeur dans le royaume de Dieu. Il y a du travail. Il y a du travail. Que ce soit en Israël, dans tous les pays musulmans, même ici, si vous avez des réfugiés, accueillez-les. Partagez l'évangile avec eux. Dieu va vous donner une moisson. Je vous dis qu'il y a une moisson ici pour l'Europe. Dieu ne fait pas les choses par hasard. Oui, notre confort, oui, on est chamboulé. Mais est-ce que ce n'est pas ça qu'on avait prié, qu'on avait demandé, Seigneur, utilise-moi. Vous vous souvenez de l'histoire quand Dieu, quand Yeshua a dit, invite tous les invités au mariage. Et les invités ne sont pas venus. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Allez par toutes les routes et allez chercher. C'est ce que le Seigneur fait. Si vous, vos voisins n'ont pas soif, peut-être ces étrangers, ils ont soif. Dieu les a amenés à votre porte. Priez pour Israël. Priez pour le Moyen-Orient. J'ai plus la foi pour le Moyen-Orient que pour n'importe quelle autre partie du monde. Je sais que Dieu va agir. Mais on a besoin de vous. Est-ce que vous pouvez être nos partenaires pour le Moyen-Orient? Est-ce que vous pouvez être engagés à prier, à donner, à envoyer des volontaires? Si vous voulez servir en Israël, on peut trouver pour vous les choses qui vont vous faire peut-être grandir dans votre foi. Parce que Dieu est un Dieu de miracles. Il n'a pas terminé. Qui enverrai-je? Dieu a dit. Et Isaïe a dit, Ineni Adonai, je suis là Adonai pour faire ta volonté. Qui servira? Qui se lèvera? Qui dira, oui, moi je suis prêt à m'engager, à prier, à donner, à aller. Il n'y a aucune personne qui peut rester silencieux sur le côté. Nous avons tous besoin d'être engagés. Les temps sont précieux. Maintenant, si tu entends la voix de l'Éternel, c'est le moment de répondre. On va prier. Je vais demander à chaque personne qui désire s'engager par rapport à ce Moyen-Orient qui souffre de tragédie, de regarder ce que tu as dans ta main et dire, oui Seigneur, je suis prêt à le mettre à terre maintenant et te servir. Oh Dieu, tu es mon Dieu.
just